Alors, je propose qu'on passe au sujet suivant, qui va durer à peu près une quinzaine de minutes, et qui est de quoi la rentrée sera faite. Alors, je ne sais pas comment vous, vous sentez cette rentrée, en termes business, bien sûr. Est-ce que vous sentez que les choses se passent bien auprès des annonceurs? Est-ce que vous sentez vos interlocuteurs inquiets? Est-ce que vous sentez qu'il y a davantage de projets, qu'il y en a moins, qu'il n'y en a plus du tout, qu'il y a autant de projets, voire plus, mais que chaque budget individuel et du projet est moindre, etc., etc. Comment se passe la rentrée chez L'Oréal? Très bien. Toujours sur les chapeaux de roue, c'est le credo un peu de L'Oréal. Merci. La santé, ça va? Ça va bien, ça va bien. Très bien. Faut tenir. T'étais où en vacances? J'étais en Espagne. Je suis jamais en France. Je bouge beaucoup. Est-ce que, comment évoluent les budgets digitaux concrètement? On parle d'investissement publicitaire. Alors, on parle je propose qu'on parle de deux choses, de projets d'abord, d'accord, et de projets de transformation digitale, de projets de grande campagne, ah, et ensuite peut-être d'achat d'espace. Projet, je pense que vous avez reçu il n'y a pas si longtemps Lubomira Rocher, qui est notre CDO, donc qui a dû vous parler un peu de la transformation digitale qu'on est en train d'opérer. Oui, elle venait d'arriver. Hein, elle venait d'arriver, mais elle connaissait bien L'Oréal déjà, donc il n'y a pas de souci. Non, les budgets. Vous avez lu certainement l'interview de Jean-Paul Agon, oui, on est à 15% de nos budgets digitaux. Moi, je pars du principe que ça évolue selon ce qu'on veut faire. Quels sont nos objectifs? Quelles sont les cibles qu'on veut atteindre? Quels sont les pays? Donc, ça peut parier, je ne sais pas, de 5 à 40, 50, 100%. Moi, peu m'importe, c'est en fonction de mes objectifs business et d'engagement consommateur que je définis mes budgets en termes d'allocation budgétaire. Certes, certes. Mais est-ce que, est-ce que en masse, les budgets digitaux vont augmenter cette année? En masse, oui. En masse, oui. Les budgets augmentent. Il y a une fragmentation de tous les moyens de contact qu'on a actuellement. Donc, mathématiquement, ça va évoluer. On s'aperçoit que certaines cibles ont totalement délaissé la télévision. Donc, à un moment donné, il faut les engager d'une certaine manière. Donc, ça implique de passer par un panel qui va me permettre de savoir de quelle manière on peut les cibler. Quels sont les quintiles quand on voit les audiences qui ne sont pas touchées par la télévision? Donc, il faut les toucher via le digital, via l'affichage, via des événements. Et donc, naturellement, ça entraîne une évolution sur le budget. Notamment en France. En France aussi. Pas qu'en Asie. Non, c'est partout. Partout. C'est une évolution du monde. Et puis en même temps, je pars du principe que moi, le digital, c'est partout. Donc, je ne sais pas pourquoi on parle encore du digital. La télé est déjà digitale, la radio est digitale, l'affichage est digital. Donc, on va le dire à LCI. Voilà. Mais Google a le même discours. J'ai entendu ça plusieurs fois aussi. Alors, si on rentre dans le concret, on essaie de rentrer dans le concret, quels sont les grands projets que tu peux citer chez L'Oréal qui vont démarrer ou qui sont en préparation? Non, ça, je ne peux pas vous le dire. Ah si, tu m'as dit que tu... Les grands projets, je peux vous parler de... Le téléphone, tu m'as dit que tu le lirais. Ah, tout à fait, certes. Non, je vais plutôt vous parler de certains projets qu'on a fait, voilà, si vous voulez, de quelle manière on a avancé. Mais les grands projets, il y en a toujours chez nous. Hein. C'est le principe de l'entrepreneuriat chez L'Oréal. Il y a plein de sujets qui vont arriver, plein de projets. On utilise de plus en plus le digital. Vous connaissez, par exemple, Ombré. Alors, je vais prendre une autre sujet. Voilà, je vais entrer encore plus dans le détail. Alors, si on prend, par exemple, le big data, ça veut dire quoi chez L'Oréal, là, cette année? C'est très important. Très important pour nous. On est en train de se structurer, en train de récupérer beaucoup d'informations. Le consommateur, les points de contact, génèrent beaucoup d'informations. Il faut les traiter. Il faut voir les personnes, il faut voir les outils, il faut les tester pour être sûr de les utiliser. Mais c'est quelque chose de très, très gros qu'on regarde et qu'on utilise énormément. Alors, il y a data interne et externe. Il n'y a pas un grand projet Big Data? Toujours des gros projets chez nous. Big Data, il y a un gros projet. On a la culture du secret. Il est très fort. Il est très très fort. Très bien. Donc Mathieu, toi tu vas nous dire, parce que pas du genre, comment tu sens cette... Bah, c'est pas ta première rentrée. Bien, il fait tellement jeune qu'on ne s'en rend pas compte. Mais comment tu sens cette rentrée? Moi je me rappelle la rentrée 2008 pour dire. Voilà, la rentrée 2008, vous vous souvenez, on rentre en septembre et puis en octobre, patatras. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, c'était la grande crise. Et nous, ça a été très simple. La fréquentation aux commissions a été divisée par 4. Et on se retrouvait avec 25% de gens en commission. Moi, j'étais en Allemagne à ce moment-là, où j'essayais avec mes petits bras de développer notre activité. Et j'ai dû rentrer dardard parce que c'était arrivé comme un choc. Alors, on ne voit pas ça, heureusement d'ailleurs. Mais je sens que cette rentrée, peut-être après 2008, est une rentrée difficile. Est-ce que je dis une bêtise? Elle n'est pas facile. Je ne sais pas si elle est difficile, mais elle n'est pas facile parce que moi, je trouve, j'ai l'impression, vu de ma fenêtre chez DDB Paris et aussi international, qu'on est à un point d'inflexion vraiment. Alors, peut-être qu'on dit ça depuis des années, mais là, j'ai l'impression qu'on y est vraiment avec un enjeu pour les marques, comme pour les agences, comme pour les acteurs, qui est lié au social.
et le social media qui secoue beaucoup les marques, qui secoue beaucoup les agences et qui secoue beaucoup les acteurs, avec un Facebook qui est très puissant mais qui avance très très vite et plus vite que les marques et les agences, et donc les marques et les agences de temps en temps ont du mal à suivre la plateforme Facebook qui change beaucoup et qui est très efficace par ailleurs, avec un enjeu pour les marques, moi j'entends beaucoup en ce moment, qui est une prise de conscience que finalement il y a beaucoup de secteurs de l'économie qui sont remis en cause par les grands acteurs pure players, et qu'il y a une disruption comme ça qui s'affirme à peu près dans tous les secteurs. Et c'est vrai que quand on pense à Uber qui fera peut-être du mal aux taxis G7 et aux autres, quand on pense à Netflix qui fait du mal à la SNCF l'a dit elle-même, voilà, quand on pense qui fait du mal, mais en même temps c'est bien hein, que c'est remis en cause, moi j'adore. Quand on pense à Netflix qui vient d'arriver, Airbnb, Tesla, Amazon, Google, donc tous ces acteurs sont des marques extrêmement puissantes, plutôt successful en termes de business, et elles remettent en cause beaucoup, je trouve, en profondeur le rôle des marques et le rôle que les marques peuvent jouer dans la vie des gens. Alors les marques, elles jouent un rôle dans la vie des gens, évident, toutes, mais là, tout à coup, au travers des plateformes digitales, elles se disent, il y a peut-être un autre rôle qu'on devrait jouer, et c'est là-dessus qu'elles nous attendent, nous, agences, c'est là-dessus qu'elles attendent de marcher. C'est là-dessus qu'elles ont envie d'avancer, c'est là-dessus qu'elles doivent progresser. Donc comment les marques vont réagir face à tout ça? Comment les marques qui ont vraiment là pleinement conscience que tous ces grands acteurs pure players sont en train d'avancer très vite, à un rythme qui n'est pas le leur, et sont en train d'avancer avec beaucoup de succès. Donc comment est-ce qu'elles résistent à ça? Voilà, donc il y a tous les débats sur la transformation digitale dont on entend parler partout. Il y a beaucoup de débats, et moi c'est quelque chose qui m'anime beaucoup, on en parlait avec Nick tout à l'heure, sur la pédagogie qu'on doit délivrer tous, les acteurs qui sont aussi autour du digital, parce qu'on n'achète que ce qu'on comprend, et quand on ne comprend pas, on n'achète pas. Voilà, donc c'est à nous, Google, les agences et les autres, d'expliquer qu'est-ce qu'on peut faire avec ce digital, jusqu'où on peut aller. Et puis enfin, je pense qu'il y a un enjeu, enfin moi, qui me frappe énormément sur le mobile, et je trouve ça étrange parce qu'on n'en parle pas beaucoup, pas tant que ça, alors que moi, dans toutes les audiences de tous les clients que je suis, les Volkswagen, les ING, les McDonald's et autres, le mobile est passé devant le desktop. Et pour autant, on reçoit toujours des briefs, dans des compétitions ou pas, où le mobile n'est même pas évoqué, alors qu'il devient le premier device pour tous les consommateurs sur les plateformes digitales. Donc là aussi, il y a un fort enjeu, et il n'est pas évoqué parce que je pense que les marques sont mal à l'aise par rapport au mobile, parce qu'elles voient bien qu'en termes de messages publicitaires, on ne peut pas y faire grand-chose, ou en tout cas c'est compliqué. Et elles voient bien que pour avoir une vraie présence efficace sur le mobile, il faut aller à nouveau sur ces services à valeur ajoutée, sur ces services qui créent une disruption dans le comportement et l'expérience consommateur. Voilà, et puis le dernier enjeu, et ça c'est mon rôle, et voilà, c'est de continuer à faire aimer les marques, donc à faire un travail de création. On n'en parle pas assez, je crois, aussi. Voilà, je pense que tout ce qui est mesure d'efficacité, c'est fondamental. Enfin, tout ce qu'on évoque ce soir est fondamental, mais la création l'est aussi. Faire aimer les marques, ça reste fondamental. La télévision continue voilà, à jouer un rôle prépondérant pour faire aimer les marques, parce que c'est vrai qu'une belle campagne en télévision ou sur YouTube, c'est très efficace. Donc il faut qu'on continue à avancer là-dessus. Et puis je trouve qu'il y a des modèles, pour finir et conclure, que moi en tout cas je suis de très près et qu'on suit de très près dans le réseau, qui sont, alors on les qualifie comme on veut, mais de modèles de real-time building en télévision, ou de, voilà, enfin, qui sont en train d'apparaître. TF1 a fait une annonce, il y a une technologie qui s'appelle Olimetrix, qu'on a utilisé nous plusieurs fois à l'agence et qui est vachement bien. Voilà, et c'est intéressant de voir que le modèle du digital, c'est-à-dire... Franck Farrugia. Absolument, mon ami Franck que j'aime beaucoup et que je respecte beaucoup. Et que finalement, cette culture de l'optimisation des plans médias, plus ou moins en live, qu'on a tous depuis des années en nous, est en train d'arriver en télévision. Et ça, c'est quand même vachement intéressant de l'observer et de le suivre. Ça va peut-être changer quelques ordres établis. En tant qu'appel d'offres, le nombre d'appels d'offres, la qualité des appels d'offres, ça te paraît cohérent avec l'année dernière? Il y en a un peu plus, je crois. Ouais, parce qu'il y a des vraies questions qui se posent. Il y a des appels d'offres qui sont importants, qui sont lourds. Et en même temps, c'est très ambivalent parce qu'il y a pas mal de sujets sur lesquels nous, on sent dans notre position qu'on ne peut pas vraiment pousser en termes de création, parce que ce n'est pas le sujet là maintenant pour les marques qui sont beaucoup sous pression. Alors que la création peut être d'une incroyable efficacité, on le sait tous. Et en même temps, on sent que le jeu s'ouvre plus dans les questions qui nous sont posées sur la remise en cause justement des business models, sur la recherche d'un service à valeur ajoutée, sur la recherche d'une disruption dans l'expérience consommateur pour venir résister
à l'univers, je dis en général, des pure players qui est en train de bousculer le marché terriblement. Ce que moi j'adore, hein, à nouveau, je trouve ça formidable que Uber arrive, je trouve ça formidable que Netflix arrive. Enfin, voilà, ça secoue et c'est très bien et ça remet en cause plein de choses et c'est formidable. Et il faut continuer à accompagner tout ça. Mais voilà, on sent que ça s'ouvre plus et que ça s'ouvre plus sur des sujets profonds pour les marques, pas des sujets uniquement de communication. Alors avant qu'on donne la parole à Axel, qu'on reçoive Axel Lemaire, est-ce que vous voulez réagir à la rentrée? Comment vous sentez la rentrée? Donc il y a un bras qui se lève, il y a un être humain dessous, donc c'est cohérent. Bonjour, Stéphane Caraz, je suis chef de projet en marketing digital chez Foncia et également président du Club Jeune Pro de l'ADTM. J'avais une question. Avoir ce panel très varié, on a à la fois un annonceur très connu, L'Oréal, Google, un institut d'études. Je suis en train de me dire, pendant des années, on nous a dit qu'en école de commerce, il fallait faire une carrière, enfin, le marketing était plutôt, l'idée par des marques de grande consommation, comme Danone. Je me dis, finalement, quelqu'un qui veut travailler dans le marketing digital, est-ce qu'il vaut mieux qu'il commence chez Google, qu'il travaille en agence, qu'il travaille chez L'Oréal? Alors ça, c'est un autre sujet qu'on programmera et on garde le contact. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut réagir sur la rentrée et bien que ce sujet soit très bon également. Excuse-moi. Non, personne veut réagir sur la rentrée? Ah si. Ah non, pas lui, non. Ah si, mais oui, je plaisante. Salut, ça va? Oui, alors il faut, voilà, absolument. Oui, en fait, vous nous avez déstabilisé à cette table parce qu'on a entendu, mais on a sans doute mal entendu, qu'il y avait une relation entre l'arrivée de Netflix et la SNCF. Et alors ça nous a plongé, on s'est dit, mais on a cherché. C'est à cause de l'arrivée du train en gare de la Ciotat que Netflix va balancer à Donf. Pour faire peur aux gens, ils vont faire « Ah !» non, alors merci, alors c'est également une intervention originale. Personne ne veut réagir sur la rentrée, non? Bon. Moi je trouve que cette... Je suis là. Allô? Patrick Robin, mais c'est pas ta voix habituelle. Ah, pardon. Bonsoir. Hop, ici. Du coup, dis donc, pour parler de la rentrée, c'est compliqué. Bonsoir, Audrey Châtel. Je suis responsable marketing et mobile chez Europe Assistance. La rentrée est dure, intense. Je travaille sur le mobile, donc du coup, c'est très intéressant. Et Europe Assistance, c'est une marque d'assisteurs. Donc, on est dans l'assurance, on n'est pas sur des trucs très sexy. Mais il y a un changement, il y a une prise de conscience et il y a des budgets qui se débloquent. Donc, nous, on est très contents. Sur les chapeaux de roue, voilà, donc, que ceux qui sont autour de cette charmante personne sachent qu'elle a des budgets qui se débloquent. Et c'est... Ouais. C'est une chose. Voilà. Moi, je trouve que depuis quelque temps, donc, on finira là-dessus, puis je pense qu'Axel Lemaire, Axel Lemaire est là, Philippe Rodriguez, notre trésorier, qui doit être avec elle. Non? Enfin, avec elle, mais avec nous aussi. Ben, elle arrive à 8 heures. Elle arrive à 8 heures. Bon, sinon, ça, en même temps, c'est dans 5 minutes. Oui, alors, Nick, bien sûr, tu parles quand tu veux. Absolument. Juste comment on voit la rentrée. Donc, je crois que Mathieu a parlé de mobile. C'est un très bon symbole de ce qu'on voit passer actuellement en France. Donc, comme tu avais dit, en fait, on voit que mobile a déjà pris une place dans la vie des Français qui est assez important. On voit dans pas mal de pays maintenant, dans le monde de Google, que mobile dépasse desktop en termes d'utilisation. Mais la signification de mobile, c'est que pour les consommateurs, pour les utilisateurs, le monde virtuel maintenant, c'est connecté avec le monde réel. Donc, il n'y a pas de. C'est pas un truc qu'on fait dans un bureau à part chez nous. C'est connecté avec notre vie quotidienne et c'est 24 sur 24. Donc, pour continuer sur ce thème, ce que nous avons remarqué chez nous depuis 6 mois, c'est que dans les grosses boîtes, les CAC 40, etc., le digital, c'est en train de faire le même saut. Donc, c'est plus maintenant. Une activité à part. Maintenant, le digital, c'est un sujet pour le COMEX, le PDG des fois et le Chief Digital Officer. Et on voit que ça, c'est un changement assez rapide dans les CAC 40. On voit également qu'il y avait une étude, par exemple, hier, qui était lancée par Roland Berger. Les entreprises les plus digitales, les grandes et les moyennes, qui sont les plus matures en termes de digital,
ils voient une croissance en termes de chiffre d'affaires 6 fois plus importante que les mois, le mois mature. Et c'est aussi significatif pour le niveau de satisfaction des employés. Donc, il y a des freins qu'on a sur le marché toujours, mais on pense que cet changement est maintenant au cœur de la stratégie des grands groupes, et ça, ce n'était pas le cas. Nous, on avait vu un vrai changement depuis même il y a 6 mois. Oui. Si je peux compléter sur, effectivement, et il ne faudrait pas que des personnes qui travaillent sur un vrai business se fassent déstabiliser par un phénomène que j'ai connu, moi, il y a 15 ans maintenant de ça, qui était au moment de la bulle, l'émergence d'acteurs qui disent n'importe quoi. Il y en a un paquet. Il y a des gens, qu'on appellera ça incubateur, accélérateur, je ne sais trop quoi, il y a des gens qui sont très forts pour faire beaucoup de bruit, qui n'ont aucun track record personnel, aucun succès personnel, ils n'ont jamais créé une société, ils vont faire du conseil, ils prennent entre 1 et 3% du capital de leurs incubis et ils donnent des leçons à la vie entière et de façon parfois extrêmement agressive. Je ne citerai personne, mais et donc il y a une sorte de buzz, de bruit, et il ne faudrait pas céder d'une certaine façon à une sorte d'affolement ou de déstabilisation parce que il y a une sorte de bulle que tu as connue, toi, enfin qu'on a tous connue, je pense, plus ou moins autour de cette table, où moi je me souviens, le BG a été créé en 98, à partir de 99, disons de l'été 98 à décembre 99, il y a eu du n'importe quoi. Il y a eu de très bonnes choses, mais mélangées à une forêt de mauvaises herbes. Et le problème, c'est que là, et je pense qu'il va y avoir un coup d'arrêt, mais que là, depuis un an et demi, il y a aussi du n'importe quoi. Et il y a de tout, voilà. Il y a une sorte de buzz autour de vrombissements de partout. Voilà.